Salut à tous, bienvenue sur la Team LS France. Je fais ce petit tuto pour expliquer vaguement, vite fait, bien fait, à quoi correspond la catégorie absence. Parce que bon, ça peut arriver que vous n'êtes pas là pendant 2 semaines, vous faites partie de l'équipe, et puis bah, pas de son, pas d'image, et puis bon, bah, résultat final. Ben, vous retournez à la case départ. Alors je vous explique grosso modo, vite fait. Donc là, pour ce faire, bon ben on va sur le forum. Voilà, je me dis voilà, je pars en vacances. On va sur le forum et on regarde dans la partie réservée à l'administration. Alors, tout savoir sur le forum. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Réservé à l'administration. Il suffit de cliquer dessus. Et ensuite dedans on retrouve d'autres catégories. Donc il y a les absences, les conseils d'administration, etc., etc. Et ça, vous n'en occupez pas. Là on parle seulement absence. Donc il suffit de cliquer sur vos absences. Voilà. Et une fois que l'absence, une fois qu'on est dedans, bon voilà, il suffit de cliquer sur nouveau. C'est simple, hein. On clique sur nouveau. Le sujet, ben départ en vacances. Voilà. Et on laisse un message. Pareil. Hein, donc on laisse le petit message en précisant bien la bonne part des choses. Et voilà. Départ en vacances avec mon chameau. Voilà. Ça peut être une 4L, c'est ce que vous voulez. Donc départ avec donc départ en vacances avec mon chameau. Je serai de retour dans 3 semaines. Voilà un exemple. Voilà. Et ensuite on valide. C'est tout simple, c'est tout bête. Et là, comme ça, moi, je sais à partir de cet instant que bah, vous n'êtes pas là pendant 3 semaines. Voilà. Ça évite au bout de 2 semaines, si vous dites rien ou autre, moi, je vais penser que bah, vous voulez plus faire partie de l'équipe. Il n'y a pas de message, il n'y a rien, il n'y a pas de visite. Par contre, s'il y a une visite, ça pose pas de problème. Mais en tout cas, si vous partez ou autre quelque part, bah, vous dites que, bah, que je ne serai pas là, ou ça peut arriver à un changement de fournisseur d'accès Internet. Des fois, ça paraît un peu long. Bon, bah là, vous dites tout simplement, bah, changement de fournisseur d'accès Internet, dans l'attente, bah, je ne serai pas là pendant quelques temps. De façon que moi, je m'inquiète pas. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Et ensuite, une fois que le texte il est bien inséré, bon, bah, on clique sur envoyer. Et puis, bon, c'est tout. Et là, à partir de là, je serai au courant. Voilà, je vous remercie.